Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce troisième épisode des aventures de Dust dans Dust the Elysian Tale. Hop. Ah, ça doit être le maire du village. Good day, I'm ouais, Mayor c'est bien ça. So you're the hero. It's nothing really. We're just. No need to be modest, my friend. We can't thank you enough for your help. Things have been rough in Aurora of late, so having a true. Dust. My name is Dust. And ah, are you talking about the Watchman? You must understand, hardly a day goes by without some monstrosity attacking. There was also the. Yes, that could only be Ginger. She can be a bit of a handful, but don't. She looked pretty upset. Don't concern yourself. We have. What help could I possibly provide? A few giants and. Yet again with the modesty. You're no mere travelers, that much I've gathered. Mineral. I don't know. I'm searching for. Then perhaps we can help each other. If you help our village, I promise I'll do whatever I can to help you. But I can be of no assistance while our. Whoa, whoa, whoa. You hold on a second. You're saying those. Until recently, they would attack us in small groups. Nothing we couldn't handle. Now, they coordinate attacks on a much larger scale, hitting the village on both sides, driving off. What do they want? Our land. Just a casual observation, but they don't seem the. Well, whatever it is, it's become a serious problem. If you. You want us to find their. It certainly would cripple their advance. You'd be doing the entire. How about it, Doug? Well. You feel a conflict of emotions. This is good. Helping this village is the right thing to do. But it's more than that. I think that strange feeling you've got is a little foreign concept called compassion. Charming as always. I think you've made a what? All right, Mayor Bram, you've convinced us. We'll do what we can. The Watchman reported increased monster activity to the east of our village, so I imagine that's where you should go. But do be careful. I understand, Mayor. I'll be careful. Donc voilà, donc selon le maire, les monstres auraient un chef maintenant. Alors qu'avant ils attaquaient par petits groupes, non, ils attaquent vraiment comme une genre d'armée, donc ils pensent qu'il a des chefs et que ça se. Bien sûr c'est à l'est, hein. Vu que c'est un joueur en 2D, ça peut pas être dans un autre. Donc là il y a une quête. Hey! Yeah, that. That's great! So you must know you. Depends on. Well, allow me to introduce myself. Oh, so therefore. In so many words, yes. It's not like. Tell you what, if you could bring me 5 impots. I'll keep my eye. Much appreciated. Hop, encore un niveau. On va aller mettre un point en santé max. Ça sera tranquille. Donc voilà, ce PNJ me demande de ramener des matériaux pour pouvoir fabriquer quelque chose aux ennemis. Col des archers, forêt d'Abadis, la clairière. Donc c'est là d'où on vient. Ça c'est le village. Col des archers ou forêt d'Abadis. On va aller faire l'histoire principale. Sauvegarde, on va les sauvegarder pour être tranquille. Ils sont morts. Voilà, des ennemis volants, hop. Heureusement, on a l'attaque aérienne qui marche très bien. Il ouais, faut y aller doucement par contre avec l'attaque aérienne. Et vous voyez, l'attaque aérienne dégage des ennemis en hauteur. C'est intéressant parce qu'on peut s'envoler. Je vais faire les attaques basiques.
Hop, là il y a un trésor apparemment. On va être pas loin. Je sais pas pourquoi ils mettent des échelles vu que ils sautent très haut apparemment. Ah. Là il y a un camp de méchants. On va l'ouvrir. Comme ça, moi, on a de coffre à faire pour débloquer le 100%. Mieux c'est. De toute façon, que vous fassiez le jeu 100% ou non, les coffres sont toujours au même endroit. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de génération aléatoire. Ce n'est pas un roguelike. J'oublie d'utiliser l'attaque de... On va éviter de se faire des dégâts en volant. Donc, comme je vous ai dit, les combos sont très utiles pour avoir de l'XP en plus. Ah, il y a un plan qui est tombé. Vous voyez, il y a des plans de temps en temps. Ah, mince. C'est pas ce que je voulais faire. Je vais un peu me heal quand même. Même si c'était pas trop utile. Mais bon, on sait jamais. Si je me fais toucher plusieurs fois par des ennemis, ce serait un petit peu bête. Le marchand. Non, le marchand, on verra plus tard. Ah, par contre, j'ai oublié, pour les anneaux, on peut en équiper deux fois les mêmes. Donc, s'il y a deux anneaux costauds, vous pouvez équiper deux fois les mêmes, c'est intéressant. Voilà, hop. Prendre ses bourses. Tant qu'il est à terre. Voyez là, quand il y a la barrière, ça peut être mauvais quand il y a des ennemis. Donc là, on peut pas monter. Voilà. Les bombes, c'est utile pour dégommer les ennemis. Oula, il y a beaucoup d'ennemis là. On va y aller doucement par contre avec l'eau. Voilà, il pleut des pièces, il pleut de l'XP, il pleut des méchants. On va descendre, peut-être il y a un peu plus d'ennemis. Par contre, je sais pas trop, je me souviens plus trop de ce qu'il y a par là. Donc là, il faut glisser. Ah, ça doit être par là qu'il faut aller. On sauvegarde pour être sûr. Bien sûr, je vais toujours battre tous les ennemis, ça fait un peu d'XP. Vaut mieux être tranquille. Ah, un méchant géant. Voyez, on voit pas leur barre de vie, mais à ceux-là, mais bon, on sait que maintenant c'est des mobs juste basiques. J'espère que vous êtes pas épileptique, parce qu'avec tous ces trucs, ça pique un peu les yeux. Ne vous inquiétez pas, il y aura un pouvoir qui me permettra de virer ce truc épileptique et d'en mettre un autre moins épileptique. On va à terre. Et on va passer à la suite. Encore des gnomes. Vous voyez là, ils sont plus faciles à battre, hein. On les bat rapidement. Finally. What's the matter? Huh. I laugh at
Wait, heights? How's that? Oh, do I? I must have forgotten. Just like you must have forgotten. Never looked at it that way. Voilà, notre chère fidget, en fait, a le vertige, malgré qu'elle elle vole. C'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que les osios qui volent, on n'y pense jamais, mais ils peuvent avoir le vertige, hein, parce qu'ils peuvent tomber aussi. Voilà. Voilà, j'ai fait une parade juste au moment où il a attaqué. Parfois, c'est mieux d'attendre l'attaque pour utiliser la parade. Et pour battre plus rapidement les ennemis. Bon, les petits gnomes là, on s'en fiche. Voilà. Mais par contre, c'est mieux. Donc là, il faut y aller rapidement. Sinon, vous voyez, il nous attaque. Et pour aller en dessous, de toute façon, on y va beaucoup plus tard. Donc on peut pas les avouer. Ah si, on peut les battre avec ça. Moi, je m'en souvenais même plus, vous voyez. Là, on a les chopes. Oula, il a failli me mettre une attaque dans la tête. Voilà. On va grimper. J'ai dit on va grimper. Encore une sauvegarde. Bon, il y en a pas mal. Ou à la fin du niveau, ou en plein milieu du niveau pour... pour si au caillou, il y a... Au cas où, pardon. Au caillou, oui. Il y a beaucoup de cailloux dans le jeu. Au cas où... Ah, chaîne brisée. Il est gentil. Voilà, on se fait un peu d'XP et un peu d'argent pour aller chercher de l'équipement dans les échoppes. Voilà. Partout droit, de toute façon on reviendra, hop, comme je l'ai indiqué dans les épisodes précédents. On sera obligé de revenir pour le 100%. Et on peut monter très haut dès qu'il y a des alliés. Hop, l'attaque aérienne, en fait je la guide pas, en fait elle se guide en fonction des ennemis qu'il y a. Si je pouvais la guider, ça serait bien. Je volerais jusqu'en haut. Je ferais tous les... J'irais chercher les objets cachés en hauteur. Des nouveaux ennemis. Des genres de petites... Des genres de petits poulpes volants. Ou des méduses. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait des méduses. Bref, on va continuer. C'est vrai qu'il faudrait que je pense à mettre mon point en attaque, comme ça, ça va aller beaucoup plus vite. Encore une sauvegarde, on va sauver vu qu'on a passé un niveau et qu'on vient de mettre 100 points. Ils ont de jolies couleurs, mais ils sont très méchants. Donc, hop. Ouais, ce jeu a beaucoup de couleurs vives. Les musiques sont se prêtent bien au niveau. Oula. Vous voyez ces petites méduses. Ça doit être des méduses parce que ça envoie des chocs électriques apparemment. Oula, je suis monté très haut.
Et maintenant les orbes de fidget font un peu plus de dégâts. Ouais, on va pas s'empêcher de les utiliser. Je vais quand même me heal parce que j'ai quand même un peu à moitié de vie. Voilà. Il donne pas mal d'XP ceux-là au début. Après il donne plus rien. Ouais. Il s'est excité d'un coup. Ah, j'ai pas eu le temps de l'esquiver. J'ai pas pillé au bon moment. Voilà, nickel. Un peu d'argent. Apparemment, il y a un coffre. Est-ce que j'ai une clé? Voilà. Ah, apparemment, il y a un truc là-haut. On va y aller voir comme ça. Ah, il y a là une clé. Vous voyez, c'est très utile cette tornade aérienne. Même si plus tard on aura une autre compétence pour aller plus haut. Non, on va aller par là. On grimpe. We must be getting. How can you tell? Look, we may still be able to save the others. Hop, des camps de méchants qui se sont installés apparemment et qui ont attaqué des villageois. Hop, on va grimper, faire la suite. On va essayer pas de se faire toucher par, ces méduses. Hop, on va prendre cette clé. Oula. J'ai failli me faire avoir. Hop. S'il a pas de nouveaux trucs acheter, non. Ah. Combien? 600. Bon, on va aller le prendre. On l'équipera. C'est bon, on va rester comme ceci. Your track limited. I also share my stock with other merchants. Thank you. Watch your back. On va aller s'équiper. Où c'est que mon inventaire? Donc je crois que c'est l'amélioration. On va prendre. Donc ça c'est plus 20 en attaque. C'est intéressant. On va le mettre. Ça nous permettra d'aller être plus rapide. On va grimper. Vous voyez, on les. On les bat plus rapidement que la première fois que j'ai joué, normal, dès qu'on connaît le jeu. Alors ici, hop, je sais qu'il y a un truc, il n'a pas aimé le... Donc on va aller sauvegarder là, donc il y a un problème. Donc là, hop, je vais utiliser ceci, voilà, hop. Ah là, il me manque. Voilà, là, là pour arriver à ce, comment dire, à ce... À cette cage, il faut faire comme j'ai fait, en fait, utiliser la tornade aérienne et avoir les ennemis favorables pour qu'ils vous envoient ici. Et là, vous voyez, il me manque des clés, il m'en manque 3 pour réussir, donc on reviendra beaucoup plus tard. Mais vous inquiétez pas, les mobs repop, donc on pourra y revenir plus tard. N'inquiétez pas si je rate des coffres, mais... J'irai les prendre plus tard. Hop. Et malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo, hein, mais... Qu'est-ce qui se passe derrière ces flammes? Vous le saurez au prochain épisode. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne donc rendez-vous... Ah, celui-ci. Allez, salut à tous.